Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel assez rapide. Je vais vous expliquer comment rajouter de la RAM à son ordinateur sans décamper, sans rien faire d'autre que brancher donc une clé USB. Donc pour ma part c'est ma clé USB, la petite bleue de 1 Go que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo. Et donc je vais vous expliquer tout simplement comment je vais pas dire si un petit peu accélérer son ordinateur. Donc c'est simple. En fait, le principe de ce que je vais vous montrer, c'est que l'ordinateur, il va se servir de l'espace libre qu'il y a sur la clé pour ajouter de la RAM, tout simplement. Non, sinon je vais prendre ma 4 Go. Alors attendez, je vais juste changer, je vais prendre ma 4 Go. Hop. Tac. Et voilà, donc ma 4 Go est ouverte, je sais pas ce que j'ai dedans. Hop, alors attendez, je vais juste retirer ça. Je sais pas ce que j'ai dedans. 2-3 musiques peut-être. Et donc, bon, en attendant que ça se termine, vous faites propriété. Ready Boost. Ce périphérique ne peut pas être utilisé. Bon bah comme ça, on est. Ah bah oui. Attendez, c'est parce qu'il est pour vide. Il me semble que c'est ça. Retester. Non. Ah voilà. Donc là en fait, moi par contre j'ai juste utilisé 2 gigas. Comme ça fera 4 gigas de RAM. Hop. Voilà. Donc je prends 2000 mots. Et il y a rien de plus simple. Faites appliquer. Ça va charger. Donc là vous voyez que ça se met bien dedans. Ça charge, ça charge. Et voilà. Donc là, j'ai 2 gigas en plus supplémentaires sur mon ordinateur quand ma clé USB est branchée. Quand je n'en ai pas besoin, je la retire, ça fait rien. Et quand j'ai envie de. Bah quand j'ouvre mon ordinateur RAM. Hop, je la remets, elle va s'en remonter, et voilà. Donc, rien de plus difficile avec ça. Je pense que dans le courant de la semaine, je vais vous remettre une vidéo pour vous expliquer comment. Bon, c'est pas très légal, mais je vais le faire quand même. Comment on active Windows. Tout simplement, comment vous dire, comment. Ah, attendez, je sais pas comment l'expliquer. Comment on fait ça? Tout simplement, comment on active Windows sans, voilà, comment on active Windows sans acheter de licence avec quelques logiciels. Toi, tais-toi. Avec quelques logiciels que j'ai là-dedans. Donc, je vous expliquerai ça dans le courant de la semaine. Parce que pour l'instant, là, je suis actuellement en stage, donc j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Là, j'en ai fait une petite. Juste parce que j'avais oublié de la faire, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie. Je vous invite à aller. Pardon. Je vous invite à aller visiter ma page Facebook. Et d'aller sur ma chaîne YouTube. Et de vous abonner. Tout simplement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Puis bah, j'espère à la chaîne. Au revoir.